percée. Ma lèvre est enflée, là. Mais c'est tout à fait normal. Mon septembre va bien. J'ai pas accroché cette nuit. Je sens plus ou moins pas. Et la feuille, là, il y a du sang sec. Mais hier, en faisant mes soins, j'étais pas sûre si c'était du sang ou l'ombre de mon bijou, puis j'étais pas capable d'atteindre. Fait que je vais l'essayer aujourd'hui. Puis là, j'étais en train de boire mon café avec une paille sur le côté pour être sûr de ne pas l'accrocher. Hier, j'ai mangé normalement. Sauf c'est ça, je faisais avec plus attention les petits morceaux. Puis je faisais attention pour pas que ma fourchette vienne se prendre dans le petit diamant sur ma lèvre. Hey. Je suis dans l'auto, puis on vient d'aller au McDonald's. J'ai mangé un burger avec une poutine. Ça s'est très bien passé. Le bijou a pas trop pris dans mes dents. J'étais capable d'accoter le bagage sans que ça me fasse mal ou que ça pogne dans le diamant. Fait que c'est ça les nouvelles. Bon, on est mercredi. Presque plus mon septum puis mon Ashley. Pour le conche, c'est un peu plus long. J'ai passé une commande chez Crazy Factory de piercing pour le Ashley, le septum, un pour l'hélix, pour le conche. Puis pour le nez aussi. Parce que... Mais pour le nez, j'en avais pas le septum, j'en avais plus. L'hélix, il m'en restait un, mais avec le conche, c'est le seul que j'ai. Le Ashley aussi, puis vu qu'il est en métal, je sais que pour les dents, c'est le mieux en plastique. Donc, j'ai essayé d'en mettre un en plastique pour essayer que ça brise moins possible mes dents. Puis, j'ai pas acheté pour la Médusa, parce que je viens d'en acheter un. Il est comme rose. Puis, je trouve très beau comme ça. Éventuellement, peut-être que je vais en racheter un.
c'est ça. Je vais vous mettre des images des bijoux que j'ai choisis. Puis c'est là que je commande à peu près tous mes bijoux de piercing quand je les achète pas directement chez le perceur. On est le 11, je me suis fait percer le 7. Ma lèvre est désenflée. Il y a de la lymphe qui sort, des croûtes qui se forment. C'est un peu dégueu, mais c'est bon signe de guérison. Là, aujourd'hui, mon nez était tout noir à cause de ce piercing-là. J'ai nettoyé avec de l'eau saline, des gaz stériles, puis mon savon comme ça, comme dit, mettre sur mes piercings et tatouages. Donc, pour le nez, j'ai eu quelques croûtes. Mais c'est pas constant. Comme la lèvre, je ramasse 3-4 fois par jour. Depuis environ 2 jours. Donc le septembre, c'est pas constant. Puis le con, j'en ai pas eu encore. Bon, on est le 14 août, je crois. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai fait percer mon Ashley, mon septum et mon conge. Le Ashley fait beaucoup de croûtes, mais c'est normal. Mon septum, il a commencé un enfer, mais pas autant que l'Ashley. Puis le con, j'en ai pas encore vu, mais ça aussi c'est normal parce que le con, ça prend plus longtemps à guérir.
J'ai aussi changé mon piercing de nez. J'ai été au puce-rock. C'est une aurore boréale. Il y a des reflets multicolores, une tige en titane, puis c'est une 3 mm. Puis ça me plaît bien. Il est plus plat que mon ancien piercing de nez. Donc, je vais vous laisser pour ce compte rendu de la première semaine. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!